C'est parti. Oui, saute, petit renard. Et bonsoir, oui, bonjour, peu importe, YouTube. Allez, on continue. Seasons After Fall. J'espère qu'il s'agit bien de la dernière partie du jeu. Enfin, de la fin de la deuxième partie du jeu, plutôt. Le jeu qui demande, mine de rien, un petit peu de temps quand même, hein. Alors, on va continuer d'aller par là. Et c'est vrai que j'avais oublié que lorsqu'on changeait de saison, on sortait de l'eau. Ah, encodage en surcharge encore, parfait. On aime les ambiances, hein. On aime les bonnes ambiances ici. Hop là, non, je voulais faire ça, merci. Je pense que ça sert absolument à rien en fait. Encodage en surcharge, mais. Ah, mais pourquoi encodage en surcharge, bordel de merde? Voilà, et quand on gueule, tout de suite ça se calme. Ah, c'est comme les followers. Il suffit de gueuler. Non, mais c'est chiant en fait. Ah, bah maintenant ils sont deux, parfait. Si je vais par là, j'imagine que je reviens à mon point de départ. Chose que je pense que ça ne sert à rien pour l'instant. Absolument. Ah bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Oh putain, bien sûr. Putain. Ah, les ambiances, hein. Ouais, mais non, en fait. Ouais, des petits soucis de FPS, mais malheureusement. Malheureusement, ça, enfin, ça ne drop pas, mais ouais, je pense que c'est. C'est tout lié, en fait. OBS qui m'emmerde. Le jeu qui, je ne sais pas pourquoi, est considéré comme étant très gourmand. Chose qui m'étonne beaucoup. Ah! Ça, c'était pas mal, ça. On va faire péter la glace. Alors là, je crois que je suis en train de faire de la merde. Mais je ne sais pas où il faut que j'aille. Eh oui! Ah bah par ici par exemple. Excusez-moi. La maladie, tout ça, week-end compliqué. D'accord, ça nous permet donc de remonter jusqu'ici. Why not? Non! C'est chiant. Vraiment. Ah, très joli, mais malheureusement très contemplatif. Donc il faut aimer les jeux très tranquilles, hein. Pas d'ennemis, que des énigmes. C'est pas non plus. Alors pour moi, c'est clairement pas le jeu mon jeu préféré. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus. Comment dire? Oui, bah tout simplement d'un petit peu plus. Plus vivant. En ce qui me concerne, je trouve ça beaucoup trop calme en fait. Trop axé sur la contemplation. Ah non. Ah bah si. Oh fiche. Ouvrir cette porte, ça sera donc ici. Ah mais j'ai pas de la baisse de FPS, ça vient de chez moi, je sais, mais j'ai pas un PC ultra puissant.
Mais j'ai pas de. Comment dire? Je n'ai pas de drop. Donc voilà. On attendra soit que je déménage, soit que la fibre arrive. Même si la première option me semble être la plus au programme. Ah, les cascades. On n'avait pas fait ça, les cascades déjà. Non, mais tu vas te remettre en mode été. Voilà. Non, c'était pas été, donc c'était automne. Vous me fatiguez. Jeu, tu me fatigues. Encodage en surcharge, mais ta mère. Pensez à désactiver par une vidéo. Mais qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi, jeu? Ah, c'était donc bien par là. D'accord. D'accord, ça c'est pour revenir dans l'autre sens, très bien. Oui, parce qu'on y est maintenant, on va falloir repartir. Ça me semble logique. C'est pas clair. Automne peut-être? Donc là, voilà, on aura possibilité donc de revenir en arrière. C'est chiant, madame. Cette pierre renferme le plus doux. Et le plus humide des quatre vents. Pardon. Vois-tu Le la plus pierre doux et le plus mobile? mouillé. C'est à peine si on peut discerner ses contours. Effectivement, c'est la merde. Mais une partie de son reflet est toujours visible dans l'eau. Il doit bien y avoir un moyen de dissiper cette illusion. Ah, parfait. Encore une nouvelle énigme du schnapps. Ça va être compliqué, je sens. On va aller par là, effectivement, il y a des espèces de branches, on va voir. Il va encore y avoir un truc à activer, je suis sûr. Mais arrête de dire que l'encodage est en surchauffe, il se passe rien à l'écran. Mon Dieu. Pas besoin de... D'accord.
Putain, faut monter là-dessus. C'est compliqué. Pas de demi-mesure, d'accord. C'est soit en haut, soit en bas. Oui. Il faut retrouver. Putain, comment je fais pour faire redescendre le. C'est pas clair. C'est pas clair, bordel de merde. On va aller voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas un truc. Un autre. Non, il n'y a que des fleurs. Putain. Tout ça pour ça. Ok, trouvons la réponse à cette énigme. Là, je peux pas monter plus haut. Là, si je vais en bas, je redescends tout juste, d'accord. Il y a un truc à faire, hein. C'est sûr et certain. Ah bah voilà. Donc on active. On va faire la même chose par là. Elle est où la caméra? Non, c'était pas. Merde, c'était pas en hiver, c'était en quoi? Tout va bien. Ah. Un nouveau chemin qui se dessine pour aller, j'imagine, tout en haut de cette plante. Bon, parfait, mais parfait. On va y arriver, hein. Je n'ai jamais douté. C'est pas cette saison, c'est celle-ci. C'est ça. Quoi ? Et là, je refais exactement ce que je viens de faire, en fait. Je comprends pas. Ah bah d'accord. C'était ça.
Je n'ai pas tout compris, mais pourquoi pas, ok, d'accord. La graine n'a pas mauvais fond. Elle n'a pas compris en quoi consistait le rituel des saisons. Ah, d'accord, c'est pour ça. Elle a laissé ses peurs l'envahir et s'est construit une prison. Je t'en prie, fais tout ton possible pour l'en sortir et la ramener parmi nous. Oui, oui, je vais essayer. Je promets rien, cela dit. Allez, dernière phase avec la graine. Laisse-moi, je t'en prie. Je veux voir personne. Je veux pas retourner dans le sanctuaire. Mais si. Grosse musique. Digne de la BO. Le rituel de saison, c'est pas du tout ça. Zelda. Les gardiens veulent plus s'occuper de moi, j'en suis sûre. Mais arrête de chouiner. Ils ont voulu m'abandonner. Mais non. Désolée, tu sais, pour ton renard. Et pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Bah c'est trop tard, ma vieille. Je savais pas ce que je faisais. Et c'est celui ce qui a payé tous pour mon impatience. Et ben voilà. Les Bravo. Gardiens ne me comprennent pas. Mais toi, tu sembles différent. Tiens, voici le dernier de mes trésors. Oula. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi pas? Ah, fin de la deuxième partie du coup. Un retour. Succès déverrouillé. Et donc on la ramène avec nous. C'est bien elle. Et alors, content. Merci, Goupil. Merci mille fois. L'accès au dernier hôtel est ouvert. Une fois les quatre gardiens rassemblés, plus rien ne pourra nous empêcher de réaliser le véritable rituel des saisons. Et donc voilà le dernier, la dernière partie. Donc c'était ça, c'est activer les différents hôtels des gardiens des saisons. Je pense qu'on y est là. Hein. C'est vraiment la der des der. Est-ce que ça serait ça l'hôtel en question? C'est la première fois qu'une graine refuse de se soumettre au rituel. Je ne sais pas si on fait bien de la forcer comme ça. Ah bah j'ai ça, mon comme Dieu. L'impression que j'ai encore des choses à apprendre. Ah si ouais. Tu penses que nous agissons pour son bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça pue du cul, votre histoire. Ce que nous avons commencé. Bon, du coup, on va à la recherche du dernier hôtel. Ouais, bah en même temps, j'en ai 4 à activer, quoi. Enfin, 3, pardon. J'en ai déjà activé un, il m'en reste 3. La question c'est où va-t-il bien être celui-ci? Donc celui d'en haut, on l'a déjà fait, donc j'imagine que les deux derniers vont être donc un en bas ici, et un autre un peu plus loin. Ah oui, là je commence à avoir une baisse de framerate, bizarrement. On va voir. Donc le puits. Ça ressemblait à un truc par là, hein. Reste à savoir où il est maintenant. Peut-être là-haut. A priori, pas du tout. Alors, si je me mets en mode hiver, d'accord. Peut-être ai-je fait une connerie. On ne sait pas. Bon, voilà. Hop. Ouais, hein. Je crois que c'est ça. J'ai fait une connerie. Hein.
Mais non, attends, par là. Avance, 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 avance. Ah bah non. Ah bah non. Ouais, encodage en surcharge. Oh là là, la vidéo pour YouTube va être dégueulasse. Merde. Ok, le chemin du retour est tracé. On va continuer par là. Mais allez, ah, oh, l'encodage. Ouais, là-bas, en bas, il y a un truc a priori. Allez, y va. Oui. Ouais. Alors je cherche. Ah bah voilà, c'est un rituel ça, non? Enfin. Ah non, c'était pas ça. Non, a priori c'est pas ça. C'est juste le passage pour aller au nouveau totem. Très bien, allons-y. Lumière, please. D'accord. Alors, si c'est tout ce que t'es capable de faire, on n'est pas dans la merde, hein. C'est pas oufissime. La tête contre le mur de PUM! Aïe! Ça fait penser au bois brumeux dans. Comment ça s'appelle? Ori and the Blind Forest. Par contre, ça va être super chiant, quoi. Il n'y a pas de lumière. Une grosse ambiance, hein. Putain, s'il y a un truc à faire avec les saisons, on n'a pas fini de se... Oh, on n'a pas fini de se faire chier. Putain, c'est pas clair. Là où il y a un truc. Il y a un truc. Là, il y a un truc. Ah bah voilà, c'était peut-être ça. Non, raté, en automne. Eh oui, les champignons poussent en automne, voyons. Je vois rien. On voit rien, bordel de merde.
Putain, je ne vois absolument rien là. Je le fais vraiment au... Bah comme je peux quoi. Est-ce que je vois? Par là, ok, on peut pas y aller, très bien. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça dit que là, il faut qu'on passe en mode... Non, c'est quoi? C'est celui-ci. Et on passe en mode hiver. On saute là-haut, on saute ici. Très bien. Et à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a un truc en bas. On voit rien, nom d'un chien. Se mettre en mode, j'ai eu le temps de voir quand même qu'il y avait un truc ici. Ouais, vous bousculez pas hein, les gens, surtout n'éclairez pas trop. Donc là on est revenu en arrière. Ok, on avance doucement mais sûrement, on avance dans le noir. Absolument rien. Ah putain. Ah oui d'accord. Oh non mais alors ça c'est un enfer. Faut retrouver des morceaux dans ce merdier. Vous êtes pas sérieux là. Donc dans le noir le plus complet, il va falloir retrouver des morceaux. Oh, putain, je viens d'en voir un. Non mais attends, mais c'est chiant. On s'emmerde, ma bonne dame, on s'emmerde. C'est bon, j'ai eu. Donc il passe ici, il passe là, et a priori, ok, il se met par là. Très bien, on va voir. On va retourner sur la droite. Non mais c'est chiant, on voit rien. Pardon, je préfère, excusez-moi, je préfère mourir hors caméra. Bon, j'ai l'impression qu'en mode hiver, ça éclaire un peu plus.
L'ai-je rêvé? Non. Ok. Donc il y en a un à récupérer là-haut. Ah, mes jeux en surcharge, mais... Ah, et ta sœur. Encodage en surcharge. Calme-toi, OBS. Ah, putain. Ça y est, il y a trois particules et... Et OBS est perdu. Quel emmerdement. Voilà, merci. Excusez-moi, hein, toujours. Oui, éclaire ça, s'il te plaît. Il en manque combien? Et tout est là. Non, il manque un morceau. Oh putain. Oh putain. Oh putain, oh putain. Encodage en surcharge. Mais ta sœur, elle est en surcharge. Comment ça se passe? Merci. Oui. Ah. Ah ouais, mais non, mais ça c'est pour repartir, ça. D'accord, c'est pour faire un demi-tour. Si jamais t'es pas sûr, tu peux faire le demi-tour. Voilà. Grosse ambiance. Non mais sans déconner, j'ai pas tout là. Attendez. Il y a un truc là. Il y a un petit zigouigoui. Va, petit zigouigoui, va. Par là, par exemple. Non, bon, d'accord, de l'autre côté. Ah. Alors, là, il faut pas... Je crois que c'est ça. Voilà, comme ça, il gonfle. Et là, normalement, si je fais ça, et là, je peux exploser. Oui! Le dernier morceau, merci. Encodage en surcharge, mais ta sœur. Et ta sœur. Eh, Balbeur. Bon, barrons-nous. Par pitié, cassons-nous. Ah, l'hôtel aveugle. Parfait. Il est activé. Oui. Ah. Incroyable. Et donc on aura les deux derniers qui seront à faire sur la gauche de l'écran. Enfin sur la gauche, oui, tout simplement. Voilà, le poisson et le grizzly sont réveillés. C'est ne me reste plus. Une graine, Goupil. Pas du tout. Une graine. C'est une chose extrêmement rare dans la vie d'une forêt. Ah, c'est une sorte de... Comme les glands, en fait. Dont nous, enfin, l'inverse des glands. Saisons avant la charge. D'accord. Une fois son éducation achevée, oui, le destin d'une graine est de quitter le sanctuaire et de trouver un endroit pour germer. Ah. À condition qu'elle y soit prête. Oui, voilà, comme un adulte, en fait. À 18 ans, tu te casses. D'accord, je ne sais pas du tout si ça a sauvegardé, donc on va essayer de ressortir de cette grotte de l'enfer.
et retourner donc vers le sanctuaire, histoire de clôturer oui, le jeu. Alors oui, il faut remonter. Ça tombe bien. On a l'ascenseur. Les jeux sont très gourmands en ressources. Non mais quand même. Ces jeux-là sont pas gourmands en ressources. Même Ori tourne mieux. Encodage en surcharge encore. Ah mais... C'est vraiment par session en fait. Ah là oui, oui, là il en peut plus là, clairement. Bon bah on nous le donne. Toujours la grande question. Par où on est arrivé et par où qu'on sort? Petit drop. Petit drop indé. Mais là on en vient. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus, c'est pas clair. Bah non, bah c'est... Alors oui, non, c'est certainement pas par là, alors, du coup. Ouais, non, c'est ça, c'est... Et là, je vais tomber, comme un gros... Voilà. Merde. Faut que je remonte. Prenons l'ascenseur. Voilà, merci. Donc, allons à gauche. Ça a l'air d'être par là. D'accord. Allons par ici. C'est pas clair, bordel de merde. C'est bon? Je sors ou... Comment ça se passe? Oui, je crois que c'est bon. Ah, parfait. Et donc on est revenu au sanctuaire. Allez, le sanctuaire est quand même plus beau en été. Et donc, oui, deux totems, activate. Alors, sachant qu'ici aussi, a priori, ce sont des petits totems qui seraient à trouver, des totems donc supplémentaires qui seraient à activer. Et donc, on en aura encore deux pour finir, je pense, à la troisième grande partie. Et ça, eh bien, on verra ça dans une autre vidéo YouTube. Voilà, et normalement les paramètres d'encodage seront remis au goût du jour de façon à ce que ça ne drop plus du cul pour une raison que j'ignore totalement. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube et à très bientôt pour la suite des aventures du Goopérard. Des bisous.